Bonjour et bienvenue sur Dark Tower Gaming, je suis Devil et je vous ai mis sur un putain de cliffhanger à la con sur Batman Arkham Knight la dernière fois. Tout de suite, la suite. Vous êtes blessé? Mon père vous a pas tué? Il savait ce qu'il faisait. Du moins, je crois. Où est-ce qu'il l'emmène? Ouah! Mais vous êtes stupide ou quoi? J'ai déjà dégommé tous ces tanks-là déjà une fois. Alfred, j'ai plus de Batmobile. Il l'a pas peint en noir comme j'ai demandé. Pas tant qu'il en aura besoin pour m'atteindre. Oh, comme c'est chevaleresque. Tu te rappelles l'époque où tu me portais comme ça? Moi, pas. J'étais mort. Je vais vous installer au commissariat. On retrouvera votre père. Et oui, c'était une fausse fin. On aurait presque dit un dénouement. On a affronté le chevalier d'Arkham. On l'a battu. On a battu l'épouvantail. Mais... L'épouvantail m'a manipulé. Je vous ai fait mourir. Il vous a gazé, Bruce. Vous n'avez pas à vous en faire pour nous ou vous sentir responsable. On se bat avec vous, pas pour vous, ok? Content que vous soyez de retour. Cash, j'ai trouvé Barbara. Je la ramène au commissariat. Elle est vivante. Dieu merci. Et le commissaire Gordon? L'épouvantail l'a capturé. Dites-moi que c'est pas vrai. On va le ramener, Cash. Ouais, je peux pas encore la récupérer, ça. Assistante des blindés. T'as vu Batman? Pas de problème. D'ailleurs, au cas où vous l'auriez oublié, il y a encore des quêtes secondaires à avoir. Sur Batman, ça correspond pas du tout au profil. Le dossier dit qu'il s'est débrouché. Que quelqu'un a un fauteuil roulant en rab, parce que moi j'ai laissé le bat Est-ce qu'il va bien? J'ai laissé le bat fauteuil roulant à la base au studio de cinéma. Il va bien. Barbara, quel plaisir de te voir. Bonjour Aaron, ça fait un bail. Barbara nous donne un coup de main. Bon, comme vous voudrez. Elle bosse pour vous maintenant. Qu'est-ce que je raconte? On bosse tous pour vous. Ok, voyons ça. D'abord, se connecter à l'ordi de la tour de l'horloge. Il pourrait changer de matériel. Ok, c'est bon. Sale
Les hommes de l'épouvantail sont là. Ils veulent s'emparer de la salle du serveur, copier les données du disque dur. Non, je peux pas. C'est la milice, elle nous empêche d'y accéder. Oh, on a perdu la connexion. Il nous faut ces données. C'est le seul moyen de sauver mon père. Je m'en occupe. Vous ne pouvez pas y aller. Ils vont vous attendre. Je compte bien là-dessus. Les années passent, mais rien n'y fait. Je craque encore pour la petite Barbara Gordon. Fort heureusement, ce n'est pas au niveau des vertèbres. On a des nouveautés dans la salle. Le pingouin, nanana. Manbat. Ah, là. Une visière tactique portée par le nouvel inconnu de Gotham, le chevalier d'Arkham. Je crois que Batman en sait plus qu'il ne veut l'avouer sur ce type. Mais je lui poserai la question une autre fois. Il reste encore des vitrines à trophées. De la place en cellule aussi, surtout. Ne vous en faites pas, Batman. Barbara est en sécurité ici. La tour de l'horloge est... Ah ah ! Les pièces du puzzle se mettent en place. La dame de Gotham, c'est là que tout se joue. J'ai pas pu t'attendre, Batman. Désolé, je voulais pas rater ça. On va s'occuper de ça. Jack Ryder enquêtait sur quelque chose de dangereux qui l'a mené à la dame de Gotham. Je ferais mieux de le retrouver. Ça ne va pas se finir en Pulitzer. 4 unités de contrôle des routes. Désolé, Batman. On a touché à rien. Putain, les mecs, ils ont tiré sur ma Batmobile, bande d'enfoirés. Est-ce que je vais tirer sur vos pièces, moi? Voilà. Content, vous pouvez faire une connerie. Mes très chers frères, nous sommes ici rassemblés pour honorer notre seul père véritable. Lui qui nous bénit de sa lumière. Lorsque nous sommes entourés d'obscurité. Lui qui humidifie de sa pluie la terre desséchée lorsque nous sommes assoiffés. Lui qui pourfend les forces perfides et maléfiques qui menacent de nous détruire et prive notre âme de sa douce. Qui ose interrompre ce rituel? Batman, c'est bien toi? Sors-moi vite de là! Tu foules un sol sacré, païen! Tu n'as rien à faire ici! Mais Dieu t'a amené à moi pour que je me baigne dans ton sang! Mes enfants, le diable est venu entièrement drapé de noir! Tuez-le sur le champ! Plus vite, l'heure du sacrifice approche! Cinglé.
tous des lâches. Ils n'avaient pas la foi, Batman. Moi, si, je sais la vérité. Voir ma lame lui trancher la gorge et me regarder me baigner dans l'immortalité. Ne faites pas ça. J'ai affronté la mort plus souvent que tu peux l'imaginer. Je serai encore là quand tu seras 6 pieds sous terre, Batman. Gotham m'appartiendra. Épargne-moi tes sermons. Qu'est-ce que tu fichais? Je plaisante. Je crois que je tiens mon secours. Ça y est, Batman, je suis de retour dans la partie. Ma propre émission. Eh, je t'invite pour le pilote. Dans la peau de Batman, histoire vraie. I've heard there was a secret chord. The David played and it plays the Lord Matthew Dandré Likervin. Et voilà, c'est ça que j'attendais avec Zack Ryder depuis le début. The minor fall, the major lift, the fucking composing. Alléluia. À présent, vous êtes dans mon église, tiens. Alléluia. Regarde autour de toi, Batman. Alléluia. Regarde ce que tu tentes de protéger. Alléluia. Gotham est déchu. Pourquoi s'obstiner à continuer le combat? Il est déjà trop tard. C'est à moi d'en décider, Blackfire. Vous pouvez le mettre en cellule. Et cachez votre voiture. Votre bateau? Si c'est le cas, je dois m'excuser auprès de l'église de Gotham pour cet incident avec l'eau bénite chlorhydrique. C'était un baptême du feu de Dieu! Eh ben, je pense qu'on a bien rempli Batman se comporte les cellules. À ce qu'il paraît. Ouais, il parle tout seul. Mais ça change pas d'habitude. Allons voir comment le diacre se porte dans sa nouvelle église. Et vous, si vous recommencez à tirer sur un Batmobile, c'est vous les suivants. Et voilà. 90% d'accueil. Si t'es encore là, après Constant, parce qu'il le veut bien. Toute la nuit, tu t'es rapproché de ta mort sans le savoir. Où est-ce qu'ils sont? Ah, allez, voilà, on les a mis dans l'ancienne cellule de l'autre. Voilà. Vous serez puni pour ce que vous avez fait, blasphémateur! Tu as eu de la chance, Ryder. Merci de m'avoir sauvé. Enfin, j'avais la situation bien en main. Ça faisait partie du plan, tu sais. J'étais en infiltration. La prochaine fois, tu te débrouilles. Ah, c'est ça. Si je mourais, à qui tu parlerais? Je te préviens, je ne te sauverai pas une deuxième fois. Quoi, ça? C'est complètement légal. Queen Industries vient de lancer une nouvelle filiale, Q-Core. Je dresse un portrait du propriétaire. Ce type-là est une flèche. Bien sûr. Je t'en enverrai une copie. C'est Green Arrow. Que la lumière soit, le diable. Tu vas voir, je peux faire ça facile. La pyrotechnie de bas étage ne me fait pas peur, petit. Très bien joué. Quand on m'a poussé hors de mon dirigeable, je m'attendais à être sauvé, pas menotté et jeté dans une cellule. Vous êtes encore plus naïf que je le pensais, Stagg. Parlez pour vous, Batman, parlez pour vous. Il faudra tôt ou tard que ce détraqué mental accepte enfin l'idée que l'argent ne lui donne pas le droit de faire tout ce qui lui chante. Pas vrai, Stagg? C'est notre vie. C'est nous qui faisons la loi par ici. La loi des hommes est incapable de faire face aux injustices de Gotham. Tu vas rester croupir ici un bon moment, Blackfire. Mon enfant, ces barreaux ne me retiendront pas. Le moment venu, Dieu les fera fondre comme un cierge plongé dans les flammes. Et je serai libre. Ne t'arrête pas de prier, surtout. Oh, ça, non. Je vais prier pour tous les enfants égarés de Gotham.
et surtout pour toi, Batman. Je ferai une prière spécialement pour toi. Pour que je meure ? Pour rendre justice au diacre Blackfana, ses efforts pour employer les sans-abri sont très louables. Viens prier avec moi, petit homme. Dieu voit la beauté en chaque individu, aussi difforme soit-il. Tu me diras si les prières marchent bien pour toi. Alors normalement, étant donné que il est arrivé, est-ce que... Ah là ! Un caisson de rempli. Le couteau sacrificiel et le livre de prière du diacre Blackfire. Ce grand prêtre de l'église psychotique a tenté de tuer le journaliste Jack Ryder. Encore un fanatique religieux dénonçant la perversion des médias. Du coup, il reste un... et deux... caissons de libre. Plus, évidemment, toutes les armes de la milice que je récupère les unes après les autres. Il reste donc deux criminels à enfermer dans cette cellule. On sait tous que l'un d'entre eux est sans aucun doute l'épouvantail. Mais qui est l'autre ? Enfin, ce doit être aussi l'homme mystère peut-être, mais bon, ça m'étonnerait. Ils vont sans doute juste remettre un trophée là où il y avait déjà le trophée. Mais bien sûr... Alors, allons nous occuper de toutes les nouvelles baraques que le chevalier nous a fait popper en ville. Je sais qu'il y en a une pas loin. Ok. Tu crois que l'identité secrète de Batman se trouve là-dessus ? Arrête, on sait tout sur le véhicule de Batman. On l'a vu faire des trucs avec qui n'étaient pas prévus. Il y a des tas de trucs qui n'étaient pas prévus. C'est pas trop bête, il n'approchera pas. Mystère. Parle. Mauvaise réponse. J'ai changé d'avis. Tu sais quoi? Ça m'intéresse plus de savoir si c'est une voiture ou un tank. Mais bien sûr. Et tu crois qu'on va te laisser faire ? Je vais les ordinateurs. Regardez. Tu es
C'est fait. Monsieur, votre attaque semble avoir alerté le nouveau commandant de la milice, successeur du chevalier d'Arkham. Un individu belliqueux. Il diffuse un message sur canal ouvert exigeant de vous parler. Alors donnez-lui ce qu'il veut. Très bien, monsieur. Ça fait plaisir de te revoir. Waouh, Deathstroke ! Ça fait un bail. Slade. Mon nom de code est Deathstroke. Et on m'a engagé. Bon, si je me souviens bien, tu m'as dit un jour que je ne te faisais pas peur. Mais notre ami Gomme, le chevalier d'Arkham, n'est pas d'accord. Il m'a contacté. Il a dit que j'étais le type le plus coriace que t'aies jamais croisé. Le chevalier est parti. Tu es un mercenaire sans contrat. Pas tout à fait. Cette fois, j'ai été payé d'avance. Et ça m'oblige, contractuellement, à terminer le travail. À mon avis, c'est une bonne chose qu'Ivy. Elle était dans aucun camp à part le sien. Les capteurs du drone sont temporairement inactifs, mais je ne peux en pirater qu'un à la fois. Chaque piratage annule le précédent. J'en fous que dalle à tous ces trucs. Je ne peux pas saboter ça tant que je n'ai pas amélioré le brouilleur. C'est la chance d'une vie. Je pouvais pas laisser passer une occasion de tuer Batman. On va rentrer dans l'histoire. Toi, putain! Tu ne peux plus te cacher nulle part! Et ça, c'est l'horloge, je m'en fous. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, t'as vu ce que j'ai vu ? C'est de débarrasser c'est la mal. Ville. Accélère ! Et du coup, ça en fait deux de moins ? Ouais, il m'en reste plus que deux du coup. L'épouvantail l'a attiré dans la base, mais c'est parti en vrille. On a même perdu l'otage. Et merde. Il a
juste là. Fous le camp. Du coup, je l'ai perdu. Tu veux prendre le volant? Il est derrière. Attendez, c'est pas là le laboratoire du docteur professeur Armstrong? Parce qu'apparemment, il y a un easter egg comme quoi la meuf serait toujours vivante. Genre le corps n'est plus là. Voilà. Pour toujours mon amour qu'elle a écrit. Et elle est plus là. C'est quand même Forever My Love, pour toujours mon amour. Et le docteur Langstrom n'est jamais revenu. Du coup, sa femme est peut-être transformée en Man-Bat, elle aussi. C'est un truc qu'il faudrait revenir dans le labo pour le savoir, quoi. Bon, après il y en a certains qui vont peut-être revenir pour les trophées. Mais après si vous revenez alors que vous n'avez pas fini la quête de Landstrom, elle est toujours là. Voilà qui est mieux. Gotham s'est endormi après la mort du Joker. Oh non, c'est lui. T'inquiète, il peut pas nous rattraper. Le voilà, chope-le. Je me demande qui se cachait derrière le masque finalement. Tu crois qu'il connaissait Batman? Alors comme ça, je peux pas occuper un poste de contrôle tout seul. C'est ce qu'on va faire. J'ai fait la guerre sur tous les continents. Pourquoi? On m'a tiré dessus, poignardé, brûlé. Rien ne m'a arrêté. Mais qu'est-ce que tu fais de Batman? Et qui se ramène? À se planquer et à prendre les gens par surprise, espèce de lâche. S'il essaie avec moi, il va avoir une surprise. Je t'ai pas pris par surprise, hein, du con.
Comment ça se fait que j'ai plus de vie là? Comment ça se fait que j'avais plus de vie? Comment j'ai perdu toute ma vie sur ces gogoles? Ah, j'avais gardé, au moins que j'ai gardé toute ma vie depuis le moment où j'ai commencé. De longue date, Batman. Mais tu vois, elle ne pouvait se conclure que comme ça. Sinon, là, j'aurais pu les avoir facilement, ces gars-là, normalement. Comment ça? Il y avait des snipers? Ouais, vous déconnez quoi? C'est ça, Batou, Falmore. Ils vont tomber dans le panne. Oh zut! Moi j'étais en train d'affronter ces gars, je suis en train de me préparer le terrain et d'un seul coup, il est là! Dans ces cas-là, pourquoi me mettre sur le toit s'il y a des snipers? Ah ouais, d'accord. Foutre la paix. Faites-moi un rapport, les gars.
Mais putain de... Est-ce que tu vas viser ce que je te demande? Pourquoi tu t'acharnes sur un seul mec? Et là, voilà, j'aurais rebuté les deux snipers qui me font chier parce qu'ils surveillent le bâtiment d'à côté alors que moi j'attaque les mecs qui sont à côté du bâtiment. Putain. Faites confiance à la milice, quoi. Et voilà ça. Ah non, ils sont plus là les snipers. Oh bah tiens. Ils ont quand même décidé. Tiens, c'est fini. Là, ça a fait s'auto-détruire les trucs. Bon. On voudrait juste savoir où est le reste du truc de la milice. Donc là, il y en a un. Et là, il y en a deux. Donc normalement, je pourrais peut-être finir le truc si je les trouve. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter l'épisode ici. Oui, je sais ce que vous allez dire. Mais on n'a rien eu. Vous avez quand même eu une quête secondaire, la quête principale, quelques trophées de Log Mystère, quelques, hein, et la milice. Moi, j'arrête là. Je vais trouver tous les points de la milice en off. Je les ferai et normalement, il me semble qu'une fois que c'est terminé, j'affronte Deathstroke. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil, à plus.